Bonjour à toutes et à tous. La ville de Décines-Charpieu vous accompagne pendant cette période de confinement en vous aidant à prendre soin de vous et de votre forme grâce au service municipal des sports. Chaque semaine, nous vous proposerons deux entraînements sous forme de vidéo avec des activités à pratiquer de chez vous, sans matériel spécifique, seul ou en famille. Quel que soit votre niveau, vous pouvez suivre nos programmes. L'un se concentre sur le cardio, l'autre sur le renforcement musculaire. À vous d'en adapter l'intensité suivant votre forme. Et pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à répéter les séances plusieurs fois dans la semaine. Ok, bonjour à tous et dessinois. Aujourd'hui, petite séance sur le haut du corps, abdos et fessiers. Donc on va s'échauffer sur 3 mouvements qu'on va répéter 2 fois. Sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Et c'est parti dans 5 secondes. Attention, 3, 2, 1... On est parti, on garde les jambes tendues, les mains au sol, on va le plus loin possible et on repart. Gardez les jambes tendues au maximum. Maintenez le gainage. Allez, c'est parti. Jambes tendues jusqu'au bout. On relâche 10 secondes. Deuxième mouvement, thruster. On va venir fléchir et développer les bras au plafond. Attention, on est parti. Descendez bien et développez. Inspirez en bas, soufflez en haut. Gardez bien les pieds, largeur bassin. Allez, c'est parti, on s'échauffe tranquillement, il fait beau. On y va. Inspire et souffle. Entraînement de là sur le haut. Ok, on relâche. Le dernier, c'est des montées de genoux. Deux options. Soit je garde l'appui au sol, soit on vient faire monter le cardio. Allez, on vient monter le cardio. C'est parti. Montez au plus haut. Les genoux dépassent les hanches. Allez, c'est super. On tient. Allez, on a la musique parfaite. Là, on tient. Soufflez, on reprend le premier. On recule un petit peu. On garde les jambes tendues. Et on est parti. Jambes tendues, on descend. Gardez le gainage. Et on repart. Allez, le dernier. Pour ajouter un petit peu plus de difficulté sur le thruster, prenez deux bouteilles de lait ou d'eau. On garde à la poitrine et on développe. Inspirez, soufflez. Gardez les talons au sol à la descente. Allez, on fait juste monter un peu le cardio. Inspire en bas, souffle en haut. Super. On se prépare au dernier. Je vous répète, soit on alterne, soit on vient lever. C'est parti. Allez, dernier 20 secondes. Avec les bras. Allez, allez, accélère. On tient. Et tu relâches, soufflez. Ça va, dessine, on tient. Ok, la suite, c'est du renforcement pur. On va commencer la première partie sur le haut du corps. Ça va se passer au sol. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Je vous laisse me suivre. On vient s'asseoir. Tac. Ça part dans 5 secondes. On vient simplement s'asseoir ici, les doigts en direction des pieds. On décolle les fessiers et on descend. On vient faire des dips. Inspirez en bas, soufflez en haut. On vient chercher l'extension complète. C'est ça. Pousse avec les talons.
l'amplitude sur la descente. Gardez bien la cage ouverte et relâchez. On passe sur le ventre. On va renforcer la zone dorsale. On garde les pieds au sol. On va décoller les coudes. Pardon. On regarde le sol. Et on va pousser sur l'avant et revire. Inspirez, soufflez. Ici, les omoplates doivent se rapprocher. Allez, ça doit chauffer entre les omoplates. Gardez bien les bras parallèles au sol. Super, on souffle. On reste toujours sur le ventre. Cette fois, on va tendre les bras. Ici, l'objectif, rapprocher les omoplates. Ça va chauffer, ça s'appelle le petit oiseau. On ne cherche pas la vitesse pour l'instant, c'est que du renfort. Inspirez à la descente et soufflez à la montée. Descendez lentement et accélérez la montée. Allez, ça doit brûler entre les omoplates. Jusqu'au bout. On est sur la pointe de pied derrière. Regardez fessiers verrouillés. Et là, cette fois, on va décoller. On décolle les omoplates, on serre les fessiers et on va décoller la poitrine ici. Et on va rester simplement statique. Ça doit chauffer la zone lombaire. On décolle et on regarde le sol. On doit avoir le moins de contact au sol possible. Restez serré ici, fessiers, lombaire et omoplates. Rentrez le menton. Allez, tiens jusqu'au bout. Inspirez bien par le nez. Soufflez par la bouche. On relâche. Ce tour, on va le faire une deuxième fois. Inspirez bien, récupérez bien. On prépare les doigts de pied en direction des pieds. Les talons au sol. On vient décoller. Et on va chercher à fléchir. Extension complète. Le mouvement par les bras, pas du bassin. Hein. Les bras et on cherche l'extension. Inspire en bas, souffle en haut. Allez, c'est parti, on tient. Jusqu'au bout, dernière seconde. Parfait, on retourne sur le ventre. On repart sur le premier, Superman. Toujours le regard vers le bas. La pointe de pied serrée sur les fessiers. Les bras parallèles au sol et entre eux. On va chercher droit sur l'avant. Serrer les omoplates. Inspirez ici. Soufflez sur l'extension. On va pas vite, on s'applique, ça doit bien chauffer. Ne lâche pas. Soufflez, restez sur le ventre. On passe les mains perpendiculaires au corps et on va chercher juste à relever. Lentement. Regarde le sol. Pointe des pieds au sol, on pousse. Parti. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Allez, on vient renforcer la zone thoracique du dos et on tient. Vous pouvez accélérer la phase de montée. Vous devez sentir là tous les muscles autour de votre colonne vertébrale commencer à bien chauffer. Pour le
le dernier. On décolle les jambes, on serre les fessiers et on décolle bien le buste. Attention. Allez, top, c'est parti. Le regard bien plongé sur l'avant, sur le bas. Inspirez bien par le nez long, soufflez bien par la bouche. Allez, c'est parfait. On tient, là, on a bientôt terminé la première partie. Super ça. Ok, top, tu relâches. Soufflez, buvez un petit coup. Servez-vous un petit peu d'eau. Et on va passer à la partie abdominale. Vous avez 1 seconde d'effort, 10 secondes de récupération. Il y a simplement deux mouvements qu'on va alterner pour bien sentir sa zone abdominale. Soufflez un petit peu. La partie d'avant, on l'a faite une fois, on a fait un grand circuit, vous pouvez faire 2 à 3 fois selon votre niveau. N'hésitez pas. Ici, c'est pareil, sur la partie abdominale, vous allez pouvoir l'accentuer. On part dans 5 secondes, on va être toujours au sol. Je vous laisse venir au sol. On va mettre ici comme à 90 degrés. On va simplement décoller le menton en direction des genoux. Ok ? Les omoplates ne doivent pas toucher le sol, on reste le plus haut possible. Quand je monte, on souffle. Quand on souffle, on rentre le nombril. On reste en haut. Et là, on bloque. Pendant 10 secondes, on bloque. On va relâcher les jambes près de la poitrine. On reste toujours concentré sur le souffle. Avec le nombril en bas. Et là, on va enrouler pendant 20 secondes le bassin. On reste toujours en tension là sur les abdos, en gardant les omoplates décollées. Ça doit déjà piquer. On est relâché sur les jambes et on enroule simplement le bassin. La récup est derrière, on lâche pas. Soufflez 10 secondes, on allonge. Inspirez bien par le nez, soufflez par la bouche. On va l'attaquer une deuxième fois. On décolle et petit montée de menton. Les omoplates ne doivent pas revenir. On reste en haut. Vous pouvez mettre les mains aux oreilles et le menton toujours au plafond. On bloque 10 secondes. On décolle et on essaie de ne pas lâcher. Sur le souffle, creusez le nombril. Inspirez bien par le nez, soufflez. Et là, 20 secondes, on enroule le bassin. Soufflez à chaque enroulement. Et tu tiens jusqu'au bout. On aura une dernière fois et on sera parfait. Allez, on tient jusqu'au bout. Soufflez 10 secondes, relâchez, grandissez et soufflez. On le fait une dernière fois, on décolle, on réenroule et on est parti. Allez, on optimise la contraction des abdos en gardant les omoplates hautes. On verrouille, on reste les 10 secondes. Allez, tu tiens jusqu'au bout, c'est parfait. On relâche les jambes et on va venir enrouler une dernière fois. C'est parti. Allez, enroule bien et reste contracté sur le haut. Allez, c'est parfait. Gardez le nombril vers le bas, bien enfoncé. Dernière seconde. Et tu relâches. Inspirez, soufflez. Et vous pouvez boire un petit coup. On a la dernière partie qui va être la zone des fessiers. En général, les filles, vous aimez bien. Donc là, on va passer sur le côté. Une jambe fléchie au sol, une jambe tendue, pointe de pied vers le bas. Et là, on part sur 30
30 élévation. Jambes sur le côté. Allez, c'est parfait. Va. Allez, 10 dernières pour les courageux. De côté. On est sur le coude, on fléchit la jambe au sol, pointe de pied vers le bas, on repart entre 15 et 30, d'accord? 15 c'est pour le premier niveau, 30 c'est pour les plus en forme. Allez, cherchez bien à garder la jambe tendue et pointe de pied vers le bas. Allez, les 15. De récupération entre chaque tour et là vous aurez une optimisation parfaite de la contraction. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, restez en forme, restez ambiancés chez vous et on donne tout. À bientôt les dessinois. Bravo à vous pour cet entraînement. La ville de Dessines-Charpieu vous invite à prendre bien soin de vous et de vos proches en respectant strictement l'ensemble des mesures mises en place. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux exercices en vidéo, en attendant de pouvoir nous retrouver en vrai dans les équipements sportifs dessinois.